Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo haul Jiffy et Action. J'ai été faire quelques petites soldes chez Jiffy avec ma petite fille et écoutez, j'ai trouvé pas mal de petites choses intéressantes. Voilà. Donc du coup je vais vous montrer tout ça, on va commencer par Jiffy et ensuite je suis allée chez Action puisque de base je devais aller chez Action pour acheter de la déco d'anniversaire pour ma fille que je fête dimanche et puis je me suis acheté des petits trucs à côté bien évidemment comme d'habitude. On va commencer chez Jiffy, je vous mettrai les prix sur l'écran comme d'habitude puisque j'aurai le temps de faire le montage puisque j'ai le ticket de caisse mais bon, si je cherche, j'aurai pas, ce sera trop long. Donc c'est parti. Alors pour commencer, j'ai pris ceci, donc c'est une gamelle anti-glisse à 3 euros, je l'ai payé, voilà. C'est pour Snoopy parce qu'à chaque fois que je lui donne sa gamelle, il a tendance à, quand il mange, il pousse l'assiette comme ça. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal, donc j'ai pas encore regardé comment c'était. C'est un truc, je pense, antidérapant. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Donc, il y a la gamelle. Alors, ça s'enlève... Ça s'enlève pas. Voilà. Donc, c'est une gamelle comme ceci en plastique avec le support qui glisse. Enfin, qui glisse pas, en fait, qui est en silicone. Donc, voilà. Je pense que ça, c'est plutôt pas mal pour lui. Ça évitera qu'il me ramène l'assiette sous les meubles, sous le canapé. Enfin, voilà. À chaque fois qu'il mange Snoopy, il m'envoie l'assiette très loin. D'ailleurs, il est juste à côté de moi. Voilà, je trouvais ça plutôt pas mal, l'idée est plutôt géniale. Donc on verra ce que ça donne, je ne l'ai toujours pas testé puisque tout ce que j'ai acheté, je ne les ai pas encore utilisés. Donc voilà pour ça. Après ils font des choses quand même assez intéressantes chez Jiffy, mais je trouve que c'est quand même assez cher. Mais bon, c'est comme ça, j'ai envie de vous dire. Ensuite je me suis acheté des verres, ils étaient pareils en promotion. Donc tout ce que j'ai pris était en solde il me semble. Sauf deux petits trucs, je crois. Donc là, j'ai pris des verres comme ceci. Donc, c'était un lot de 3. J'ai pris avec les ananas, comme ça. J'en ai pris deux lots. Puisque c'était pas cher du tout. Je vais essayer de voir si je peux au moins vous donner ça. Ils étaient à... donc, ils étaient de base à 6,99. Donc, j'en ai acheté deux. Ça fait 12. 12 moins 9, 78. Ça fait qu'ils étaient même pas à 3 euros. Donc, voilà. Je les ai trouvés plutôt pas mal. Alors ce que j'ai acheté, il y a des choses que je ne vais pas ouvrir puisque ce sera pour le prochain appartement. J'essaye vraiment déjà d'acheter des choses pour le prochain appart en solde, ça vaut vachement le coup. Donc voilà, j'ai acheté deux lots comme ça de verres ananas et ils sont très jolis. Voilà. Ensuite en solde et toujours pour le prochain appartement, j'ai acheté des lots comme ceci de boîtes. Je vais refaire toute mon garde-manger avec que des boîtes en verre comme ceci, rondes, puisque j'en avais acheté plein en plastique chez Action, mais finalement je voudrais que j'ai tout les mêmes choses. Donc j'ai acheté deux lots comme ceci de boîtes en verre, hop, comme ceci. Donc c'est petit certes, mais il y a des choses que je mettrai à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est que vous avez le couvercle qui est transparent, donc vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur si jamais vous les mettez comme ça, ou alors même comme ça, et puis vous avez le meuble qui est que vous tirez, vous voyez ce qu'il y a dedans, etc. Donc vous pouvez les trouver chez Electrodépôt en plus grand. Donc moi j'en avais déjà acheté deux chez Electrodépôt. Donc je sais que chez Electrodépôt ils les font tout le temps. Donc si je dois aller faire ma razzia de boîte, j'irai chez Electrodépôt. Parce que chez Jiffy je les ai eu en promotion, pas cher du tout. Mais je sais que s'ils n'étaient pas en promo, je les aurais payés cher. Donc c'était un lot de deux comme ceci. Ils font 800 ml. Vous pouvez mettre, ouais, 800 ml, donc c'est comme ceci. Donc j'en ai acheté deux, comme je vous disais. Et ça, ce sera pour le prochain appart. Je ne vais pas m'amuser à tout réorganiser maintenant. On est censé déménager au mois de mai-juin, donc ça va aller très vite. Donc je ne préfère pas commencer à faire tout mon tralala maintenant. Ensuite, pour mon petit Snoopy, je lui ai acheté un petit manteau comme ceci. J'en avais acheté un chez Action, mais il est beaucoup trop petit finalement. Donc, j'en ai trouvé un en solde chez Jiffy en taille L. Et cette fois-ci, il lui couvre vraiment tout le corps. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Il était à 4 euros et quelques, un truc comme ça. Ensuite, j'ai pris des petits accessoires. Ce qui est bien chez Jiffy, c'est qu'il y a pas mal de petits rayons... 1, 2, 3 euros, etc. Je me suis pris ça. Donc, c'est un ensemble de éplucheurs et couteaux en céramique avec la planche à découper en petit format. Ça, c'est quand on veut couper un genre... quand je fais un concombre ou quoi que ce soit, ça m'évite de sortir la grande planche à découper. Et en plus, vous avez le couteau en céramique et l'éplucheur. Donc, à voir ce que ça donne niveau qualité. Je ne sais pas du tout. Après, il n'y avait que cette couleur-là. Mais après, c'était à moins de 3 euros, je crois. Donc, je l'ai pris.
Je me suis également pris un espèce de to-do list comme ceci, aimanté, pour mettre sur le frigo, parce que maintenant je veux vraiment m'organiser. Si vous suivez un petit peu mes vlogs, vous savez que je suis débordée maintenant avec deux enfants, le travail et tout ça. Je n'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas à... En fait, je prends beaucoup de retard sur surtout mon ménage. Et je me suis dit que ça, ça pourrait être pas mal. J'ai les jours de la semaine et en fait, chaque jour, je me note ce que je dois faire. Même si je travaille, je sais que je prendrai 5 minutes dans la journée ou dans la soirée si je fais la fermeture et je ferai ma tâche ménagère. Voilà, je trouvais ça plutôt pas mal d'avoir quelque chose quand même d'écrit. Parce qu'à chaque fois, je suis là dans ma tête à me dire « Oui, ça, demain, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. » Et j'oublie forcément ce que je dois faire. Donc là, c'était l'occasion de le prendre. Il y avait plusieurs couleurs. Hein. Moi, je l'ai pris en rouge. C'est Mia qui a choisi. Et vous avez le feutre et un aimant en plus si vous devez accrocher quelque chose. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça, je vais vraiment, vraiment m'en servir. Voilà. Ensuite, pour le prochain appart, toujours, j'ai trouvé un lot de saladiers comme ceci. Pareil, soldé. Alors, je ne sais pas. Il y a du scotch. Voilà. Donc, c'est, j'en ai pris qu'un lot. Je me suis dit que ça suffirait. Parce que... c'est pareil, je vais me refaire ma vaisselle, mais il y a beaucoup de choses chez Action que j'aimerais acheter aussi, donc je ne vais pas trop acheter. Donc c'était un lot de saladiers comme ça en verre, j'ai trouvé très très joli, ils étaient en exposition. Donc voilà, ils sont comme ceci, donc ça pareil, pour mettre des fruits dedans, je trouve ça pas mal. J'ai un plat à fruits que j'ai acheté également chez Action, mais qui est avec des rayures, vous savez, c'est le noir. Mais ça, ça pourrait être pas mal pour, comme présentation, pour mettre des fruits. Bon bref, normalement je ne l'ai pas pris pour mettre des fruits, hein. Je l'ai pris pour la cuisine, etc. Mais je l'ai trouvé tellement joli. Donc c'était un lot de deux comme ceci, pareil, qui était vraiment raisonnable au niveau du prix. Tout ce que j'ai pris chez Jiffy, c'est tout ce qui était soldé, pardon, c'est avec la carte VIP. Hein. N'oubliez pas de vous la faire, elle est gratuite. Et vous avez beaucoup, toute l'année, vous avez plein de promos avec cette carte-là. Donc n'hésitez pas à la faire, c'est très avantageux. Et pour terminer, chez Jiffy, je me suis acheté, alors ça, c'était pas soldé, c'était à 10 euros. J'ai pris deux étagères comme ceci, pareil, pour mon rangement, pour mon garde-manger. Parce que je trouve qu'avec l'armoire que j'ai, je perds énormément de place au niveau des étagères. En fait, j'ai mes boîtes et en fait, j'ai beaucoup d'espace sur le haut. Je me dis que si je mets des étagères, je pourrais mettre pas mal de petites choses en plus. Donc voilà, je me suis pris deux étagères comme ceci en métal. Ça fait 53 sur 19,5 sur 21 cm. Ouais, donc c'est en métal. Et voilà, pour mettre mes petites boîtes ou mettre toute autre chose. Hein. Et il existe aussi en petit format comme ceci que vous pouvez superposer. Donc je ne les ai pas pris parce que franchement, je ne sais pas comment je vais organiser mon garde-manger. Donc si jamais j'en trouve encore chez Jiffy à ce moment-là, ben, j'en rachèterai. Mais en tout cas, je trouvais ça plutôt pratique. Donc j'en ai pris deux. J'en ai pris deux, donc c'est superposable. Alors, c'est superposable que les petits sur les grands. Hein. Moi, j'ai pris deux grands, donc je pense pas qu'ils soient superposables les grands sur les grands. Je sais pas, je verrai, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis plutôt contente de ce que j'ai pris. Alors, je l'ouvre pas pour vous montrer, mais c'est en métal, hein, voilà, et c'est des étagères. Donc ça, je suis plutôt contente. Ce que j'ai trouvé chez Jiffy pour le prochain appartement, de toute façon, d'ici, quand je déménagerai, vous me suivrez dans les vlogs, je vous montrerai un petit peu comment je vais placer tout ça. Donc il me tarde trop de déménager pour installer tout ça. Bref, allez, nous passons chez Action. J'ai beaucoup craqué. Donc on va commencer tout de suite. Pareil, chez Action, j'en ai eu pour 40,84 €, en sachant que le ticket est tout petit. Mais j'ai pris quand même des choses alors qui valaient pas cher, mais ça monte hyper vite maintenant chez Action. Pour commencer, j'ai trouvé ces petites boîtes comme ceci. Je les avais vues dans une vidéo de Mes Secrets de Nana. Elle montre beaucoup de nouveautés chez Action sur Instagram. Donc j'ai trouvé, elle avait montré dans le rayon bébé, il y avait pas mal de petites nouveautés. Et notamment ces petits pots comme ceci pour faire les pots de bébé. Donc moi je les ai pris pour faire ceux de Luna parce que j'ai décidé de faire des petits pots maison, que ce soit sucré ou salé. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y en a 6, donc c'est des petites quantités, hein. Ça fait 120 ml. Vous pouvez le mettre au micro-ondes. Alors attendez que je regarde le français, il est où là? Donc pot pour en cas, instruction d'utilisation, voire notice, nanana. Ok, ici, oh là, il faut avoir des lunettes, hein. C'est tout petit. Passe au micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur. Donc ça, c'est juste parfait. J'en ai pris qu'un lot de 6, hein, parce que je vois pas l'intérêt d'en prendre au taquet. J'espère juste que je vais avoir le temps de lui faire des petits pots. J'ai vraiment envie de lui faire des petits pots maison. Donc je suis trop contente de les avoir trouvés.
Ensuite, je me suis repris un kit de ciseaux comme ceci. Il fallait absolument que je renouvelle ceux que j'ai déjà. Je crois que ceux que j'ai achetés, je les ai eus... Non, pas chez Action. Je les ai eus dans un autre magasin. Mais il fallait absolument que je les renouvelle parce que ça faisait un petit moment qu'on les avait. Et ce qui est bien chez Action, c'est que vous avez un lot de 3. Donc, ce qui va me servir énormément. Vous en avez un de 21,5, c'est le grand. Le médium 17,5. Et le petit 14 cm. Voilà, donc à faire très attention, ils ont l'air très pointus. Il y avait bien sûr d'autres couleurs, mais j'ai pris du noir pour rester un petit peu dans le ton noir, etc. Puisque j'ai pris pas mal de choses de cette couleur. Je me suis acheté une boîte comme ceci, donc toujours pour mon garde-manger. Cette fois-ci pour mes spaghettis. Parce que la boîte que j'ai pour mes spaghettis en ce moment, c'est une boîte en métal où il y a marqué spaghettis, vert et rouge, etc. Mais comme je vous ai dit, je veux garder mon garde-manger. Pareil en fait, je veux pas que ce soit dépareillé, etc. Donc j'ai pris cette boîte là. J'hésitais à en prendre deux parce que je savais pas si j'en aurais assez de une. Au pire des cas, je sais que chez Action on pourra les retrouver. Mais ça, je crois que c'est une nouveauté parce que je les avais jamais vues avant. Donc c'est une contenance de 1500 ml, donc 1,5 litre. Et voilà, ça c'est en verre et ça c'est en métal. Voilà, avec le petit joint en silicone. Pour refermer, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, je suis trop contente, je suis tombée sur des pots à épices. Alors je pense que ça c'est nouveau également. Ça fait un petit moment que je cherchais des petits pots à épices pour changer les miens, mais quelque chose qui s'ouvrait, qu'on pouvait verser directement. Ceux que j'ai viennent également de chez Action, mais ce sont des boîtes avec un couvercle qui s'ouvre et après il faut verser comme ça, c'est un peu chiant. Et là j'ai trouvé cela. Désolée, je vous reprends, j'ai ma soeur qui est arrivée puisqu'elle garde ma fille, hein, comme vous le savez. Bref, je vous disais, j'ai du coup trouvé des pots à épices comme ceci qui peut se verser. Et du coup, j'en ai pris deux lots parce que je les trouvais vraiment très beaux. Alors, ils existent en noir, ils existent aussi en argenté. Mais moi, je les ai pris en noir, voilà, pour garder un petit peu le ton noir de ma prochaine cuisine. Ils se présentent comme ceci, c'est un lot de 5 avec le support. Donc vous avez des pots comme ceci. Donc ce qui est bien, c'est que là vous voyez ce qu'il y a comme épices. Et en fait, vous avez 3 intensités de versage, de trous quoi. Et ça, je trouve ça trop trop bien. C'est un peu ce style-là que je voulais trouver. Et chez Action, je les ai vus, je les ai pris direct. Ils étaient à 4,99 le lot. C'est pas ça cher du tout. Vous allez chez Jiffy, vous l'avez à 10 balles. Et en fait, vous avez le support. Voilà, le support qui est comme ça. Et il me tarde vraiment trop d'installer tout ça dans mon prochain appart. Je fais pas trop de bruit. Donc voilà, j'en ai pris deux lots et je suis trop trop contente de les avoir trouvés. Je galérais à trouver des supports à épices, des pots à épices. J'ai regardé sur Shein, ça me plaisait pas, sur AliExpress. J'ai été voir à Stokomani. Enfin voilà. Et là, je suis tombée dessus par hasard. Donc je pense que c'est une nouveauté. Et ça a l'air de très très bonne qualité. Du coup, j'ai pris deux lots. Voilà, donc j'ai pris de l'eau. Je suis trop contente. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, j'ai trouvé ça dans le rayon beauté. C'est une brosse de massage. Alors, attendez. Brosse de massage pour cuir chevelu. Massée avec des mouvements circulaires pour éliminer les cellules mortes de la peau et stimuler le cuir chevelu. Idéal pour faire pénétrer le shampoing et pour en éliminer les résidus. Nettoie et exfolie le cuir chevelu. Alors, moi, j'ai pris ça pour bien me faire pénétrer le masque. Parce que c'est vrai que moi je le fais beaucoup avec les mains et les doigts. Mais je trouve que j'ai pas, j'étale pas assez. Et je trouvais ça pas mal. Hop. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est avec du silicone. Donc on verra ce que ça donne. Parce que silicone, j'aurais préféré que ce soit du plastique. Parce que passer du silicone dans les cheveux quand il y a du masque, je sais pas. On testera, je vous en reparlerai. Quand je l'aurai testé, il existait aussi en couleur vert. Mais je l'ai pris en rose. Et pareil, je pense que ça c'est une petite nouveauté beauté. Pour l'anniversaire de Mia, du coup, j'ai pris ce qui me manquait en termes de décoration de vaisselle. Donc, j'ai pris dans un premier temps des lots comme ceci. Je les avais déjà pris l'année dernière pour mettre tout ce qui est bonbons, gâteaux, enfin voilà, ou style de présentation. Donc, c'est avec des petites licornes et c'est un lot de 5. Donc, c'est un lot de 5 comme ceci. Il y avait aussi les petits carrés, mais voilà, j'ai pris que des grands. J'ai pris également un truc fagnon comme ceci là. Il n'y a pas marqué joyeux anniversaire dessus. J'en ai pas trouvé et j'en ai pas trouvé avec des licornes. Donc j'ai pris celui-ci, un peu basique on va dire, avec des ballons pour accrocher au salon. J'ai également pris des assiettes en carton. Pareil, il n'y avait pas style licorne parce que je voulais vraiment lui faire un thème licorne, mais j'ai pas trouvé. Donc il y en a 15 à l'intérieur. Je ne sais pas si j'en aurai assez, mais il m'en reste de l'année dernière. Donc du coup c'est bon. Voilà, donc avec des princesses. Bien évidemment il y avait d'autres styles, hein, Pas de Patrouille, Peppa Pig, etc.
J'ai pris, je vais essayer de vous montrer ce que j'ai pris. Pardon, vous ne voyez plus. J'ai pris de l'eau de gobelet. Donc, par contre, là, j'ai trouvé licorne. Donc, il y en a 10 dedans. Voilà, j'en ai pris de l'eau comme ceci. Et j'ai pris également des gobelets pour le café. Parce que comme on va faire beaucoup de café, je pense, ça m'évitera de faire la vaisselle si j'utilise de la vaisselle, en fait. Donc, j'ai pris des gobelets en plastique expresso. Il y en a 30 dedans, donc ça suffira largement. Et je trouve ça plutôt pas mal d'avoir ce style de truc à la maison quand on a des invités. On continue, j'ai pris ceci qui était en promo de la semaine. Il faut savoir que moi je suis allée chez Action la semaine dernière. Nous sommes le... Non, même pas, je suis allée lundi. Je dis des bêtises. Hein. Nous sommes le vendredi 9 et je suis allée le lundi 6. Donc c'était en promo de la semaine d'avant du coup. Puisque là, ils ont changé mercredi. Il y avait ces petits diffuseurs. Donc j'ai dit, je vais tester. On va voir ce que ça donne. J'ai acheté un diffuseur de chez Action. J'ai été déçue parce qu'il n'y avait pas du tout d'odeur. C'était... c'était... ben dis donc, senteur vanille. Et il n'y avait rien du tout. Pas d'odeur ni rien. Donc voilà, c'était vraiment pas top. Là, écoutez, je vais tester d'autres diffuseurs. Donc, j'en ai pris senteur sandalwood, comme ceci, et senteur coton. Donc, ce que vous pouvez faire quand vous êtes en rayon, ici, vous avez un petit autocollant. Vous frottez et en fait, vous sentez l'odeur. Comme ça, ça vous évite d'ouvrir le paquet ou de sentir à travers le carton. Et là, pareil, vous l'avez ici. Donc, je trouvais que ces odeurs-là étaient plutôt pas mal. Il y en avait un troisième que je sens, voilà, je trouvais... pas l'odeur top, donc je l'ai pas pris. Mais voilà, j'ai trouvé ces petits diffuseurs qui étaient pas très très chers en promotion de la semaine dernière, je précise. Je vais juste mettre la poche ici parce que les trucs sont un peu loin. Alors ensuite, j'ai repris, ça vous les voyez à chaque fois, hein, j'ai repris un lot de papier, de feuilles plastifiées pour mes commandes ou alors encore pour moi, hein, quand je fais mes petites feuilles budget, etc. Ensuite, j'ai repris des bougies parce que ceux-là, on les adore et je suis tombée sur les cerises. À chaque fois que je les prends, il y a toujours lavande ou vanille. Et là, il y en avait deux à la cerise. Je les ai pris toutes les deux. C'était les dernières. Elles sentent trop, trop bon. Même la lavande et la vanille, quand je les diffuse, elles sentent vraiment trop bon dans la pièce. Donc, je peux que vous les recommander. C'est les moins chères en termes de bougies chez Action. Et franchement, elles marchent super bien. Alors que si vous prenez des bougies à 2-3 euros... moi, je trouve qu'il y a moins l'odeur. Donc, voilà. Je pense que ceux-là, vous pouvez les tester. Les yeux fermés, ils sont vraiment top. Et du coup, la troisième, elle est comme ceci, à la lavande. Voilà. On continue. J'ai pris des dentastiques. Alors, je suis en train de me plier, de me tordre. C'est un truc. Enfin. J'ai repris des dentastiques pour Monsieur Snoopy. Donc, voilà, un lot de 3, puisque j'étais sur le moment. J'en ai pas pris chez Aldi. Donc, lot de 3, toujours à... je me demande s'ils n'ont pas augmenté. Avant, ils étaient à 84 centimes. Et là, je pense qu'ils ont un petit peu monté. Je vais essayer de vous dire ça. Ils sont... ah oui, ils sont à 1,19€. Vous voyez, donc ça a vraiment augmenté. Ensuite, pour Mia, son anniversaire, j'ai pris un lot de ballons comme ceci. Alors, je voulais des ballons plus que ça, un peu plus colorés. Et il n'y avait pratiquement rien chez Action. Il y avait des métalliques ou des ballons en cœur pour la Saint-Valentin. Mais voilà, moi, j'ai pris ceux-là avec des petits motifs ici. J'en ai pris, il y en a 12 dedans, ils font 25 cm, ça ira très très bien pour la décoration, sachant qu'on décore que le salon et il n'est pas grand grand, donc voilà. J'ai acheté une petite lampe de poche comme ceci pour mon chéri, parce que quand il va sortir le chien le soir, il fait hyper noir. Et à chaque fois, il utilise le flash de son téléphone, donc forcément la batterie s'use vite. Du coup, je me suis dit, je vais lui trouver une petite lampe de poche, donc j'ai pris celle-ci, une lampe de poche petite, hein, qui ne prend pas de place. Donc boîtier solide en aluminium, 40 lumes. Bon bref. Et il y a 3 piles qui sont incluses à l'intérieur. Donc voilà, je lui donnerai et puis on verra si elle fonctionne bien. Ça reste toujours une lampe de poche. Ensuite, j'ai trouvé ces petits trucs tout mignons. Oh pardon, vous ne me voyez pas. J'en ai marre, à chaque fois je me tourne comme ça avec la lumière, vous ne me voyez pas. Bref, j'ai trouvé des petits carnets. Regardez-moi s'ils ne sont pas trop choupinous. Voilà, ils sont trop beaux. Donc, c'est des petits carnets que j'ai peut-être pas d'utilité. Mais bon, ils étaient trop, trop choux. Donc, je les ai pris. Il y avait plusieurs modèles également. Mais moi, j'ai pris le chien et le chat. Je les trouvais trop, trop beaux. Donc, c'est des petits notebooks avec deux intercalaires à l'intérieur. Donc, c'est des feuilles toutes simples comme ça. Et vous avez deux intercalaires. Voilà. Et ça, c'est pour mettre dans le sac à main. C'est pas mal du tout quand vous voulez prendre des notes ou quoi. C'est trop trop chou, donc voilà, j'ai pris avec le petit chien-chien et le petit chat-chat. Voilà, ils étaient même pas à 1 euro, je crois qu'ils étaient à 54 centimes, un truc comme ça.
Donc je n'ai plus que craquer. J'ai pris une pochette comme ceci pour Mia. D'ailleurs, ah oui, voilà. Parce que si vous avez suivi, je ne sais plus quelle vidéo, je vous avais dit que Mia fêtait son anniversaire le 6 février, donc le lundi, le jour où je suis allée chez Action. Et moi et mon chéri, on ne travaillait pas le soir, donc je voulais lui acheter un petit cadeau pour marquer le coup, hein, sachant qu'elle aurait eu son cadeau dimanche, puisqu'on le fête avec la famille. Et du coup, j'avais acheté un petit sachet comme ceci, cadeau, que j'ai oublié de lui donner, pour mettre ses petits cadeaux, parce que je lui avais acheté deux petits porte-clés. Regardez-moi ces petits porte-clés, comme ils sont trop, trop choux. Donc, je lui ai pris un Olaf comme ceci et un princesse avec la petite sirène. Non, pas princesse. Si, la petite sirène, c'est une princesse. Bon, bref, elle l'a déjà pris. Donc, voilà, il lui reste plus que le Olaf à prendre. Et je voulais lui mettre à l'intérieur, mais j'ai complètement oublié. Donc, ça servira pour autre chose. C'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, les petits porte-clés, ça, c'est une nouveauté aussi, puisque je les avais pas vus dans mon Action. Ils étaient à moins d'un euro et je lui en ai pris deux. Donc, j'ai pris Olaf et la petite sirène. Il y avait également princesse. Il y avait un autre, je sais pas du tout ce que c'était. Hein, c'était un violet. Je sais pas du tout ce que c'est, les dessins animés. Je crois qu'il y avait Peppa Pig, enfin voilà, des petits porte-clés moumoutes comme ça, que je trouvais trop mignon. Et pour marquer le coup, je voulais lui en prendre deux pour lui faire un tout petit cadeau. Voilà, et ça lui a plu, donc c'est trop cool. Et pour terminer, j'ai trouvé également ces petites nouveautés au rayon nourriture. Je les ai vues également passer sur la vidéo Mes secrets de Nana. Donc c'est tout simplement des petits... la poche qui est tombée, des petites pâtes spaghetti, non... des petites pâtes à la bolognaise. Donc voilà, on a des spaghettis classiques comme ceci en conserve et on a des oups, donc c'est des pâtes rondes comme ça. Donc la marque Heinz à 99 centimes. Il y avait également une soupe de tomates, mais ça a été dévalisé en moins de 2 parce qu'il n'y avait plus rien. Bon, après j'aime pas ça, donc moi voilà, ça m'aurait pas dérangé. Mais en tout cas, j'ai hâte de les tester. Donc ça fait 400 grammes. On verra bien, je vous en reparlerai évidemment dans mes vlogs. Si vous les avez testés, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça pourrait aider certaines personnes. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu mes petits achats Jiffy Action. J'ai fait pas mal d'emplettes. Hein. J'ai trouvé pas mal de nouveautés chez Action. Je suis plutôt contente. C'est vrai que, comme je vous disais, à chaque fois chez Action, j'essaie d'y aller vraiment toutes les deux semaines, voire deux semaines et demie, pour éviter d'aller tout le temps et de rien trouver en nouveauté. Mais là, je suis plutôt contente. J'ai trouvé pas mal de petites choses intéressantes, notamment pour mon prochain appart. Donc je suis trop contente. Bref. Sur cette fin de vidéo, je n'ai plus de voix, j'en peux plus. Je vais aller, il est 11h05, pardon. J'ai ma fille qui commence à râler, donc je vais lui donner le bibi. Et ensuite, je pars au travail. Sur cette fin de vidéo, merci de l'avoir regardé. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye !